Verbi. Enfin, le mec qui fait les mots croisés dans mon journal, quoi. C'est ça, c'est moi. Bon, ah, parfait. Installez-vous. Je vous paye pas rien foutre. Hein. Ah, mais en fait, j'étais en train de m'installer, j'étais... Déconne. Monsieur Gomita. Oui, oh, Monique. Vous tombez à pic, Monique. Je vous présente Didier, le petit nouveau qui va nous faire les mots croisés. Moi, c'est Hervé. Ouais, Hervé et Didier. Ah, votre rendez-vous de 16h est arrivé. Il vous attend dans votre bureau. Ah, il est déjà 16h. Il faut que je file. Bon, et dites-moi, la première grille sur mon bureau ce soir, hein. Et sans faute. Demi-dalle par demi-dalle, c'est pas possible de faire ça encore à la main. C'est incroyable qu'il n'y ait pas une machine pour aller plus vite qu'un balai. Comme je te disais, pour moi, ce week-end, il n'y a aucun problème. On l'a fait comme d'hab. On amène les gonzesses, l'alcool, ça va être parfait. Ouais, ok. Ouais, on se tient au courant. Attends, oui. J'ai terminé la grille d'aujourd'hui, monsieur. Déjà? Vous avez fait fort, il est 15h. Vous allez pouvoir commencer celle de demain. Allez. Ouais, je te disais, bah écoute, moi, je suis toujours chaud. Hein. Tu sais, hein, pour les soirées, je suis jamais le dernier. Hein. Ouais. Dites-moi, mon petit Didier, ce que vous avez vu. Qu'est-ce que c'est que cette machine? Rien, c'est rien du tout. C'est une vieillerie. Ah, Monique, alors par rapport à la journée de la semaine prochaine, moi j'aimerais qu'on réorganise un petit peu mes planning. Ah, Hervé, laissez-nous, s'il vous plaît. Hervé, sacré petit bijou que vous m'avez sorti là. Je comprends mieux pour la grille d'hier. J'ai beaucoup travaillé, oui. Je vois ça. Et je peux vous dire qu'avec cette machine dans les mains, je vais pouvoir me passer de vos services. Mais c'était bien. Comment ça? Vous avez jusqu'à 11h pour quitter le bureau. Ouais, ben ça marche pas en fait, hein. Saloperie de technologie.
Bonsoir à tous, chers auditeurs. Ici Linda, demain soir, événement spécial puisque je recevrai le grand Franck Gambetta qui nous présentera sa toute nouvelle invention. C'est ma machine. Mais avant de se quitter, j'ai. C'est à moi. Mes deux amis. C'est à moi. Ordure. C'est à moi, idiot. Oh, idiot. On me l'a volé. Bonsoir à toutes et à tous. Nous recevons ce soir le grand Franck Gambetta, rédacteur en chef du journal Le Télégraphe. Bonsoir Franck. Bonsoir Brian. Franck, j'ai cru comprendre que vous aviez quelque chose de très spécial pour nous ce soir. Dites-moi en plus. C'était pas Linda, normalement. Bref, ce que je m'apprête à vous présenter est le fruit de plusieurs années de travail. Le plaisir et l'immense honneur de vous présenter l'invention qui va révolutionner le monde du journalisme. Voici, en avant-première, le Faber-Crucix 3000. Ce petit bijou de technologie permet de produire automatiquement des grilles de mots croisés en appuyant sur un seul bouton. Un seul bouton. Démonstration. Magnifique. J'adore. Tu filmes. Ah. Un grand moment de télévision. Thank you.
Hervé est un verbe cruciste confirmé. Il rêve un jour de sa passion, façon travailler. Dès lors, par un journal, il va se faire embaucher. Le problème, c'est qu'il se fait piétiner. Franck, son patron, est un vrai connard. Il ne le respecte pas, le bouscule dans les couloirs. Tous les jours, il lui impose une grille pour le soir. Et puis, un jour, Hervé se lève, il en a marre. Il se rend compte que c'est un zélo à créer. Donc, comme c'est un flemmard, il veut améliorer son workflow pour pouvoir enfin profiter de la journée. Donc, une machine à me croiser. Il va confectionner la machine à mots croisés et donc créer. Sur cette dernière, son patron va tomber. Il se rend compte qu'elle va tout faciliter. Il n'a plus besoin d'Hervé, il va le virer. Il n'a plus besoin d'Hervé, Hervé, t'es viré. Il n'a plus besoin d'Hervé, Hervé, t'es viré. Il n'a plus besoin d'Hervé, Hervé, t'es viré. Hervé, 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 t'es viré. Hervé est énervé, il va s'infiltrer chez son autre patron pour bidouiller la machine à mots croisés qui l'a créé. En sortant d'ici, tout le monde pensait qu'il a échoué. Le lendemain, le patron a ramené toute la presse et les journalistes pour leur montrer une première mondiale, la première machine à mots croisés. Mais les grilles qu'elle produit sont pétées, et elles sont pétées. Elles sont pétées, et elles sont pétées. Mais les grilles qu'elle produit sont pétées, sont pétées.